Sidakan wa o Sidak Sidakan we gwemile kan gwemile ana ebo pisa pele pele gwemile benka ebo pisa chon 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 gwemile bale na nyanza yon famile. Voilà le conte du bouc, du coq, du bélier et de la souris. Un jour donc, une femme avait fait son champ d'arachide. Elle avait eu beaucoup d'arachide, beaucoup d'arachide. Et qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait mis l'arachide dans des sacs, entassé l'arachide dans ses sacs. Et la souris s'est dit, pourquoi je n'en profiterai pas? Le bon Dieu est le bon Dieu de tout le monde. Ce n'est pas elle qui a aidé. D'accord, elle a travaillé, mais c'est le bon Dieu qui a fait que la récolte soit bonne. Moi aussi, je veux manger de ces arachides là. Et la souris est venue, a fait un trou au fond d'un sac. Et est venue manger chaque soir des arachides. La femme, le matin, en faisant son ménage, se rend compte qu'il avait des coques d'arachides. Elle va trouver son mari, se met à le morigéner. Mais qui ai-je épousé? Quel est cet homme qui est incapable de piéger une souris? Je travaille durement et mon arachide est mangé par des souris et mon bonhomme de mari se tourne les pouces. Il ne fait rien. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? L'homme a gardé son calme, il n'a rien dit, la femme s'est attempestée, mais l'homme n'a pas dit un mot. En douce, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti piéger la souris. Il n'a pas dit à sa femme qu'il avait piégé la souris, mais il a piégé la souris. La souris arrive pour manger les arachides et tombe sur le piège. Il dit, ah, ça devient miné, le terrain est miné. Je ne peux plus continuer. Il faut qu'on m'enlève cette souricière pour que je m'en sorte. Et la souris va voir les autres animaux. Commence par aller voir le coq. Qui était son ami? Coq, coq, coq. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de bon à me dire? Tu es mon ami ou non? Oui, je suis ton ami. Est-ce que tu peux m'aider? Oui, si je le veux. À condition que je sache pourquoi je veux t'aider. Il dit, écoute, c'est simple. Tu vois, tu comprends, moi j'ai faim, et puis dans telle maison, il y a des arachides, et moi je t'entends, je vais prendre quelques arachides, pas tout, quelques arachides. Mais ces gens-là, les hommes ne sont pas gentils, ils ont posé un piège pour m'avoir, une souricière. Toi qui es mon ami, tu vas enlever la souricière comme ça que je pourrais manger des arachides. Ah bon? Ils ont posé une souricière, oui. Et tu veux que je l'enlève, oui. Moi, je ne l'enlève pas. Laisse-les avec leurs arachides. La souris qui dit, oh, dis donc, c'est ça ce que tu appelles amitié? Tu ne peux pas m'aider, toi? Il me pose une souricière, tu ne peux pas m'aider? Le coq a dit, laisse-les faire. Laisse, ne mange plus d'arachides, va ailleurs. La souris lui dit au coq, tu me le paieras, je te le préviens, tu me le paieras. Et la souris va trouver le bélier. L'homme tranquille, l'ami de tout le monde, celui qui ne fait pas de problème à quelqu'un. Bélier, 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 oui, tu es mon ami, viens m'aider. T'aider à faire quoi? Il dit, ces gens-là sont méchants, les hommes, ils ont beaucoup de bien, ils ont un peu d'arachides, mais j'ai demandé à manger quelques arachides, et ils ne sont pas contents, ils m'ont tendu un piège. Ils m'empêchent de manger les arachides, maintenant je crève. Je suis à jeun, je n'ai rien à manger, mais je sais que toi tu m'aideras, tu es mon ami, viens enlever leur souricière. Et le bélier lui dit, moi, tes histoires d'arachides ne m'intéressent pas, je ne m'en occupe pas. Comment tu peux laisser tomber un ami? Non, je ne m'en occupe pas. Laisse faire, laisse les arachides. Et le bélier le dit, et la souris le dit au bélier, toi aussi, tu n'es plus mon ami, tu le paieras cher. Il ne restait que le bouc. La souris va voir le bouc et lui parle, lui tient le même discours.
et le bouc de dire à la souris, laisse tomber, ne mange pas leurs arachides. La souris triste rentre à la maison, dit, mais quand même, je ne peux pas mourir de faim. Allons dans la brousse, sortons de la cage, allons dans les herbes. Peut-être qu'on trouvera quelque chose à manger. Elle sort, elle va dans les herbes, manque de peau, tombe sur une vipère cornue. La vipère la prend en chasse. Et la souris n'a qu'une chose, une chose à faire, c'est de rentrer dans la maison. Elle passe et évite le piège. Et quand la vipère qui suivait la souris passe, elle tombe dans la souricière. Paf, au milieu. Et elle a beau se débattre, rien à faire. La souris est partie. Le serpent a la vie longue, dure. Il s'est débattu, il s'est fatigué, il a dit, bon, attendons le trappeur. On va voir qui il est. Le matin, la femme fait son ménage. Elle va regarder sur le sac. Elle trouve le serpent. Au lieu d'appeler le mari pour dire, voilà, viens, j'ai trouvé, il y a un serpent dans la souricière. Elle bande ses muscles pour montrer qu'elle est femme. Elle dit, je veux tuer ce serpent moi-même. Elle manque de peau, elle passe la main comme ça. Ah, le serpent mort, la femme. Et comme la vipère connue est dangereuse, la femme se met à crier et appelle son mari au secours. Quand le mari arrive, le mal est déjà fait. Il tue le serpent, mais le mal chez la femme continue. La femme qui s'appelait Ntende va être alitée. On va chercher ses parents. Ntende est malade, a été mouru par un serpent. Les parents arrivent et malgré les soins des tradithérapeutes, le mal s'empire. Le père, le mari à Ntende demande, il dit, moi je me retrouve avec des beaux-pères, des beaux-parents qui n'ont rien à manger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il se tape la tête, il dit, ah oui, voilà, j'ai mon coq. J'ai mon coq. Il appelle les enfants, allez, poursuivez-moi le coq pour le tuer, pour que mes beaux-parents le mangent. La souris va suivre le coq tranquillement pour dire, hey, pas la peine de fatiguer les enfants d'autrui. Laisse-toi faire, je t'avais prévenu, si tu m'avais aidé, si tu avais retiré la souricière, je ne serais jamais sorti aller manger dehors. Le serpent ne m'aurait jamais pris en chasse. Il n'aurait jamais mordu la femme. La femme ne serait pas tombée malade. Ses parents ne seraient pas venus. Et on n'aurait pas besoin de te tuer, toi le chef de la basse-cour. Mais puisque tu t'es montré égoïste, tu vas le payer comme je te l'ai dit. Tu le payes avant moi. Laisse les enfants d'autrui. Fais-toi attraper. On attrape le coq. On tue le coq et on le mange. Les parents mangent. Reste le bouc et la brebis. Le mal empirant, bébé meurt, la femme meurt. Que faire? Vous savez que chez nous, il y a le repas funéraire, le repas rituel, le repas des funérailles. C'est-à-dire que tous les parents qui viennent doivent manger, doivent boire. Comme les femmes ne mangent pas de bouc chez nous, donc le mari de Pembe se dit, que faire pour le repas des funérailles? On va tuer le bélier pour le donner aux femmes, le bouc pour le donner aux hommes. Et la souris s'approche du bouc pour dire, mon ami, tout se paye ici-bas. Tu as refusé de m'aider. Tu as refusé de m'aider, mais ce que j'ai appris là-bas, ce n'est pas bon pour toi. Hein? Il projette, tu sais, la femme de bébé, et la bébé est morte. Mais pourquoi elle est morte? C'est parce que toi, tu n'as pas voulu m'aider. Si tu avais enlevé la souricière, je ne serais pas sorti. Si je n'étais pas sorti, je n'aurais pas été pris en chasse par le serpent. Le serpent n'aurait pas mordu Pembe. Pembe ne serait pas mort. Et il n'y aurait pas eu tous ces gens-là pour
La veillée funèbre. Mais laisse-moi faire. Les chiens arrivent avec les enfants. Fais pas courir les enfants, laisse-toi tuer. Il est parti tenir le même langage au bélier. Et ceci pour dire, pour n'avoir pas voulu aider la souris en enlevant le piège, le coq, le bélier, le bouc avaient été tués. Ceci pour nous dire que quand l'autre nous demande un service est toujours quelque chose de grand et nous sommes, l'autre est toujours redevable. À un moment ou à un autre, nous le payons. Si nous refusons de rendre le service, nous le payons aussi. Voilà.